Les habitués d'Actu TV connaissent bien Frédéric Legrand, ce jeune cinéaste qui maintenant, à 23 ans, fait parler de lui partout. Alors deux fois, nous lui avons consacré un reportage et deux fois, nous avons été conquis, car ce gamin ose tout. Jugez plutôt, il a débuté à 14 ans et très vite, il se lance dans la réalisation de films fantastiques dans la droite ligne de Tim Burton. Et ça marche! Fin décembre, il présentait son dernier bijou, un court-métrage de 13 minutes, Edgar et la 12 demoiselles. Alors, plus de 200 personnes se pressaient dans l'église de Marché-Lopon, qui a servi d'ailleurs de salle de projection, et il faut dire que Frédéric avait tourné certains plans de son film dans cette église et aux alentours. Alors, les scènes avec trucage, il y en a beaucoup, ont été réalisées dans le grand studio K-Wall à Marcinelle, un endroit magique dans tous les sens du terme, et c'est François Pirette qui a prêté sa voix aux commentaires durant tout le film. Il était d'ailleurs présent lors de cet événement et a dit toute son admiration pour le professionnalisme et l'enthousiasme du jeune cinéaste Carolo. Alors, la fin de la projection a été applaudie, ben, comme il se doit, puis Frédéric est réellement monté en chaire de vérité pour parler du film et remercier toutes les personnes présentes.